Justin Bieber, Love Yourself. Je vous fais une fois et je vous explique après les accords. Commençons mi, hein. Forme de la. Deux. C'est forme de la. Le si, c'est un forme de sol. Mais on fait pas tout l'accord. Hein. On fait que la basse. Et on arrive en do dièse mineur. Fa dièse mineur, forme de la mineur. Mi, on revient mi, forme de la. Et si, forme de sol. Suite de basse. Hein. Ensuite, le la ici, moi je le fais en open, soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme vous voulez quoi. De dièse mineur, fa dièse mineur, mi, si, deux, deuxième mi, mi, si, deux dièse mineur, fa dièse mineur, mi, si, reprise. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you. She likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I
sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Donc Love Yourself de Justin Bieber, qui est surtout intéressant pour les basses. Alors Nikita d'Elton John, j'ai fini par faire le solo en note de musique ou en tablature. Il faut que je le bosse un petit peu. Là c'était un peu de boulot. Hop. Voilà, ça c'est le même. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc Capodastre à la première case avec mi et fa dièse facultatif, hein. On peut juste changer la basse en fait, hein. Et on reste un sur un la par exemple, et on fait une basse alternée. Pareil pour le si mineur. Ouais, peut-être que... Donc les chansons 25, la série des 25. On va revoir Je viens du Sud, toujours pareil pour les basses, surtout pour les basses quoi. L'encre de tes yeux de Cabrel, qui est bien pour aller apprendre le picking un peu. A c'est annuaire, en haut là. P pouce, I index et M majeur. Chacun s'occupe de ses cordes, le pouce et il fait la basse alternée. On va revoir Sous le vent. Il y a trois parties. Hein. Une en fa dièse, une en à troisième ligne, deux cases plus haut en sol dièse mineur. Et cinquième ligne, deux cases plus haut en la dièse mineur. Petit bal perdu, version Sanseverino, qui est un peu bizarre au niveau des accords, mais qui est intéressante. C'est version personnelle à lui. Hein, quoi. La version originale avec les basses toujours, en rouge, hein, que j'ai indiqué, version Bourville. Le rêve du pêcheur, on va quand même le revoir. Parce que, ouais, c'est pour essayer d'avoir un peu plus de clarté au niveau de l'écriture. Donc on fait tout, et la deuxième fois, enfin, ici on reprend là. Et là, on passe directement à la quatrième ligne. Tout doucement de Bibi, c'est pareil qu'on va revoir. C'est Un jour ou l'autre d'Isabelle Boulay. La fille qui m'accompagne de Cabrel. Alors, là, attention, il n'y a que deux temps ici. Hein, sur quatre. Il n'y a pas de doute de Véronique Sanson, qu'elle est déjà fait donc. Alors c'est pareil, j'ai pas marqué partout, mais souvent l'accordeur faut le bouger. Hein. Là ici faut le mettre à plus 50. Il y en a une autre que j'ai pas marqué, mais. Les tournesols de Marc Lavoine. Le droit à l'erreur d'Amel Bent. Ne retiens pas tes larmes, toujours avec Capodastre. Alors c'est pareil, j'ai mis la version que moi j'ai prise, parce que des fois il n'y a pas toujours les mêmes accords. Et là, les yeux revolver, je suis désolé, enfin là il y a la basse, 2 dièses 7, et après c'est que des dièses. Hein. C'est-à-dire qu'on monte le fa, on le monte d'une case plus haut, fa dièse. Alors tous les accords, c'est ça, mais une case plus haut quoi. Alors évidemment, ça fait beaucoup de dièse. Et ça, c'est la version simplifiée. Et vous avez les noms des notes ici pour la basse, avant d'arriver en fa dièse. Et j'ai mis que le début. Hein. C'est-à-dire que c'est les mêmes accords, mais une case plus haut quoi. C'est pour ça que je l'ai écrit en entier, parce que c'est pas évident. Hein.